Bonjour, mes estimés amis. Votre Majesté. Il semble qu'avec la disparition de Crawford Starrick, une certaine société secrète se trouve désormais sans dirigeant. Une faction ambitieuse cherche à entrer dans Londres et à prendre le pouvoir. Vous pensez-vous en danger, Majesté ? Non. Mes craintes portent davantage sur la population de notre ville. Je vous charge de déjouer ces manœuvres pernicieuses. Vous pouvez compter sur nous. Notre loyal assistant vous donnera vos instructions sur les quais. Attelez-vous à cette mission sur le champ. Ici tous les articles dont vous aurez besoin. Je m'appelle Alfred Fleming. Je dirige le service secret de Sa Majesté. Avant toute chose, il faut éloigner d'ici tout ce qui pourrait alerter l'ennemi. Comme cette voiture de police, pourriez-vous vous en occuper ? Les agents sont en place, déguisés en civils. Disposez-les en vue de l'embuscade. Un navire doit arriver de Boston. Il transporte de la dynamite. Et son équipage est composé de tampons. Que diriez-vous de lui réserver un bel accueil? S'il le faut, nous le ferons. J'ai toujours été partisan des châtiments d'orgueil. Je n'hésiterai pas. Allez, la police est envoyée chez les anges. Il n'y a pas de situation à avoir. Cessez de tourner le micro. Ce ne sera pas interdit.
C'est fait. C'est leur chef. Amenez-le au poste. Je le veux vivant. Et si vous me racontiez tout? Allez au diable! Allons. Starik est peut-être mort, mais l'ordre des Templiers est éternel! Nous renaîtrons comme un phénix de ses cendres! Et nous mettrons le monde à genoux! Ouais, c'est ça. Bonne chance! Merci. Je vais prendre la suite. Mes hommes vont se charger de leur cargaison d'explosifs. Vous avez fait du bon travail. Je vais avoir une petite discussion avec notre invité d'honneur, histoire de découvrir ce que ses amis complotent. S'il avoue quelque chose d'intéressant, prévenez-moi. Bien entendu. Mr. Fleming a tenté de faire avouer votre prisonnier. Le scélérat refuse de parler. Pouvez-vous lui rendre visite et lui arracher ses secrets? Je m'en occupe, Majesté. Faut-il que je te roue de coups ou vas-tu consentir à me dire ce que je veux savoir? Je vais vous parler. L'ordre a prévu de remplir un train d'explosifs à Westminster. Ils le feront sauter avant qu'ils n'atteignent la gare de Southwark. Vous et votre satanée dynamite, c'est prévu pour quand? C'est le prochain train. Il doit partir d'un moment à l'autre. Allez. Oh.
armée. Je veux séparer la bombe des autres voitures. Très regrettée Marie adorait ces jardins. Il les appelait son havre de paix au cœur de l'océan en furie de ce monde. Il me manque beaucoup. L'heure n'est pas au chagrin, mais au combat. Mr. Fleming a appris du Templier prisonnier qu'une attaque était imminente. Mais le Vaurien a pu s'échapper avant de tout nous dire. On pense qu'il se cache à Westminster. Reprenez-le. Qu'il nous livre ses derniers secrets. Il ne profitera pas de sa liberté. Je vous... Tu as rendez-vous avec les autres conspirateurs. Et voilà. Il y a trop d'innocents ici. Je vais m'emparer des explosifs avant de continuer ma traque.
se débarrasser de ces nouveaux Templiers. Et vite. Le dernier groupe de rebelles entend mener son baroud d'honneur. Ces gredins ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du Parlement pour se servir des explosifs qui leur restent. Allez voir Mr. Fleming. Que cette affaire soit réglée une fois pour toutes. Ils ont plusieurs hommes dans le palais, tous armés et dangereux. Mais il y a plus grave. Le Premier ministre a disparu. Je veux que vous vous occupiez des Templiers. La première cible est dans un couloir voisin, entouré de civils. Il a des explosifs sur sa personne. Vous devrez le prendre par surprise. S'il vous voit, il actionnera sa bombe. De mon côté, je vais chercher le Premier ministre. Bien joué. Mais ils ont d'autres porteurs de bombes. Il faut s'en débarrasser. Faites preuve de rapidité et de discrétion.
visite. Je vais saigner. She escaped from Lambeth Asylum. Why is she hiding? Not where I would hide if I were her. There's all these gangs everywhere. And what are the police doing about it? What? Streets used to be clean and rabble free, you know? What's wrong with this situation? Respect. Poxy place this is. I knew I was insignificant, but I didn't know I was bleeding invisible. Who is this place coming to, I ask? I mean, what's the point? When there's no bloody justice in us. Places. I knew I was insignificant. Bleeding sick of place the place. Come on the street without the world. I believe so. It's quality. I knew I should have stayed in bed today, but no, the veg won't buy itself. Bien joué, mais ils ont d'autres porteurs de bombes. Il faut s'en débarrasser. Faites preuve de rapidité et de discrétion. That a person of my status would be accosted in this manner. The indignity. It's not my wife. Ridiculous. Hold me like a snake. Get your drink. I hope you're This is outright uncouth.
We live in a civilized society. This whole city's gone mad as a reminder of that. Bloody ridiculous what people think is fair and decent behavior. Sure, knock down whoever you want in the street. Playing a game? Please, please, don't kill me. Not at all suspicious. Du calme, monsieur. Vous serez bientôt libre. Pas un pas de plus, assassin! Vous ne voyez pas que vous avez perdu? Le Parlement va exploser au 12e coup de midi. Ni vous, ni personne ne peut plus l'empêcher. Le siège du Parlement sera rasé de la surface du globe. Des siècles d'histoire partiront en fumée en une seconde. Je vous ordonne de tuer... Tous mes remerciements. Maintenant, venez avec moi. Vous êtes convoqués tous les deux. Approchez.
Votre loyauté et votre courage nous honorent. Puissions-nous ensemble renforcer l'Empire. Votre Majesté, nous veillerons toujours sur le bien-être du peuple. Oh, avec tout le respect qui vous est dû, nos croyances nous interdisent de vous aider à étendre l'Empire. Peut-être pourriez-vous, Majesté, abandonner vos visées impérialistes ? Je comprends et respecte votre position. Vous êtes tous deux tributaires de votre credo. Faites-moi au moins ce dernier plaisir. Acceptez ces présents. Au revoir. Et que Dieu bénisse les nobles frailes.